Eh oui, finalement, peuple haïtien, la Russie avec la Chine joignent une entente avec les États-Unis d'Amérique et le Mexique sous dossier sanctions gang dans le pays d'Haïti et mon ta financé gang dans la coupe pays d'Haïti. Mais comment ça va le fait? Effectivement, je dis à nous connaît que le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni. Et nous connaissons à partir de 10h du matin, et meeting n'a pas fait. Finalement, nous pouvons connaître évidemment ça qui sorti à 100% dans meeting ça. Mais évidemment, ça comme cadeau qui est important, à partir de 6h PM, après-midi à la même, dans live InfoBetoAf sur plateforme YouTube InfoBeto, on va obtenir tout détail qui s'accuse de passer effectivement dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pendant que vous avez voté sous dossier sanctions contre mon cap financé gang avec gang à sa patte dans la coupe d'Haïti. Comme nous te connaissons que dans le jour qui s'est passé là, la Maison Blanche t'a annoncé que yo t'a sanctionné environ 16 personnes qui dans société civile et qui dans secteur politique là et puis qui dans secteur privé des affaires qui financé gang qui alimenté mouvement crasé brisé dans pays d'Haïti pendant plusieurs années. Finalement, yo t'a sanctionné moun sa yo, mais yo pral passer à l'action côté que yo pral saisi bien moun sa yo et puis saisi compte en banque yo. Et c'est là que moi-même personnellement m'a prouvé que évidemment, les États-Unis d'Amérique avec le Mexique et que yo pas d'abjoué sous sous proposition que yo te faire. Mais finalement, moi-même ça que m'attend honnêtement. Tout haïtien attend ni tout. Si que des décisions comme ça qu'a prend, moi que depuis au départ, moi elle pas touché Reginald Boulos, c'est que pour qu'on ait décision pour moi. Si que décision qu'a prend, moi c'est que c'est rester avec politique, c'est leader politique corrompu yo. Moi a touché pour moi pour qu'on ait décision. Problème pays d'Haïti. Effectivement, c'est des oligarques corrompus. Des criminels notoires qui pas jamais voulu payer en chance, même pour une seconde, qui accro avec richesse. Déstabilisent le pays pour capable consolider le pouvoir, pour faire l'argent seulement avec des gravettes corrompus qui sont dans la politique. Je dis, c'est des sanctions qu'on prend. Il faut que nous voyons clairement les toucher oligarques corrompus sévèrement. Et c'est ça qui est intéressant. Comme nous connaissons que Joseph Félix Badiou sort font sortir là, c'est mon sorti qui est innocent. Dans l'émission ça, nous parlons point ça ensemble à vous, extrêmement important. On prête nos oreilles, vous comprenez? On prête nos yeux parce que évidemment nous connaissons que parole marche avec des gestes. Effectivement, parce que vous comprenez, dans niveau vous comprenez parce que nous c'est InfoBeto. Effectivement, Gary Pepol Charles réagit sous normalement sommation que Joseph Félix Badiou voyait pour lui. Ils ont été chargés, Joseph Félix Badiou, qui a fait une recherche, et c'est vous assassinat président Jovenel Moïse, la justice t'a cherché. Bon, bien évidemment, et juge retiré mandat d'elle, pas un problème, non? Pas un problème, mais Badiou paraît être oui, garçon. Et Louko tout, Louko, Luc Nadezir réagit sur ça, il a une réaction sur ça, et que nous parlons ça ensemble avec vous dans l'espace, et alors dans vidéo ça, effectivement, jeudi à la même, qui c'est 21 octobre 2021, publié sur plateforme Paulan, qui c'est plateforme YouTube InfoBetoa, Bouygues chargé pas campé, en pile information, a tombé dans le coup de l'eau, ouais, pendant la journée là, pas arrêté, pas déconnecté avec plateforme YouTube InfoBeto même, parce que Conseil de sécurité des Nations Unies, dans pile parole, qui passe là, dans le moment où je parle là, effectivement, après-midi à 6h PM, vous prenez tout détail, parce que nous c'est InfoBeto. Prends responsabilité, yon combat, style ton combat, parce que faut nous prenons responsabilité nous via avec yon série de situations cap de ou actualité. Surtout moi connais que n'a créé un moyen là pour regarder si nous pas gagner en faire ou joindre Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a pas qui t'a si réunion t'a commencé déjà nous t'a gagner faut façon pour nous mettre li en direct, mais effectivement n'a try, mais si li pas possible connais que ou a joindre ni dans émission qui n'a gagné après-midi à partir de 6h PM pendant que n'a live sur plateforme YouTube InfoBeto. Parce que m'pa ba nou menti, en pile parole a parlé, en pile gros causé a parlé, en pile décision qu'a prend dans nos pays d'Haïti en dedans Conseil sécurité des Nations Unies. En pile information a tombé. Mais entre-temps nous même dans InfoBeto, nous fait effort qu'une capable pour nous kembe informé, pour nous kembe informé sur tout ça qu'a passé effectivement dans Conseil sécurité des Nations Unies, qu'a décision qu'a prend dans nos pays d'Haïti. Li extrêmement important pour que ou informer de ça qui a passé dans le conseil. Parce que décision à prendre dans nos pays haïtiens, dans nos pays d'Haïti, et bien justement, nous-mêmes comme haïtiens, nous supposons qu'on est tout ça qui dit dans nos pays, dans nos comme peuple. Parce que, bah, nous avons décision, c'est nous-mêmes qui a pas affecté. Si l'avantage, il y a un avantage, nous. Si il y a
l'avantage, c'est nous-mêmes qui avons touché par décision ça. Mais normalement, Foucault Tac Section 9, te font pour te bourrer. Aïe, aïe, aïe. Ma profite pour me saluer missile là, qui c'est Foucault Tac Section 9. Foucault Tac Section 9, je vais faire nous tendre. Il y a une intervention Foucault Tac Section 9, ce bagage extraordinaire, qui nous a profité pour nous saluer et féliciter. Vous comprenez? L'important, c'est que nous-mêmes, soit famille, amis, plateforme YouTube, Infobeto, nous c'est des gens qui remet Foucault Tac Section 9, missile là. Vous comprenez, Mme Djolan? Je salue Boustad John Frem, Madame Sarah, je salue Jimmy Mouna Fabon TV. Je ne peux pas parler Haïti avec toutes les amis. Salut Denise, Hébert, on comprend avec Jolan. Salut tout frère avec soi en général, Cap Goumen. Cap Goumen pour Haïti, Tavaral en souffle, en bas griffe criminel, assassin, qui kembe pays ça. En otage depuis plus passé 36 l'année. Effectivement, peuple haïtien, situation complètement a évolué, ça qui passé. Nous voyons que définitivement. T'assemblé, effectivement, nèg qui gen pouwe avec oligarque corrompu qui se touye président pays, qui se président Jovenel Moïse, nèg sa a trouvé vraiment fait accompli. Définitivement, tout le monde a pouwe vrai visage nèg sa yo. Et c'est blanc qui a mette étiquette gang nan sou yo définitivement parce que Haïti, pas gagné qui arrive yo parce que juge yo, c'est des petits volos, petits restes avec, c'est la caille boulos, manger tout des restes bav boulos, c'est des petits vicieux que yo yé. Et bien justement, pas gagné qui est capable de faire. Mais normalement, Mbaba nous menti, faut que nous fassions effort ça. Jean comme te dit nous, Conseil de sécurité des Nations Unies, en direct à ce moment-là, nous avons fait effort pour que ou apprendre ou tendre ça qui a passé dans le conseil. En direct, dans InfoBeto, nous avons fait effort pour que nous en direct ensemble avant. Mais entre-temps, ou même capitaine de Cap Gardé, prêtez-nous attention. Mais justement, nous avons fait autant de ça, après ça, nous allons traverser dans Foucault Section 9. Et puis. Et InfoBeto on va continuer. Mais tout d'abord, m'a salué nous, m'a dit nous bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous. Et vous regardez nous, encore une fois, gens qui nous connaissent, c'est toujours un plaisir pour moi pour que je m'assemble avec nous. Ça va vraiment faire du bien. À chaque fois que je me connais, je viens partager un moment ensemble avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Et bien oui, tout ça que nous comprenons de ça qui dit dans l'Académie sur Panouan, qui passait sous plateforme Panouan, qui c'est plateforme YouTube, Info Bertoa. En avance, nous allons attendre effectivement intervenants qui réunit autour de problèmes pays d'Haïtiens dans l'ONU. Ça veut dire Conseil de sécurité, Nations Unies, en direct, dans le moment où nous parlons là. En avance, peuple haïtien, pour nous attendre ça qui a passé dans le Conseil de sécurité, Nations Unies. Info Bertoa, l'appareil, nous attendons. Alors, rediffusion, ça apprend, c'est sous Wendy Feld que nous apprenons. Nous saluons. Unissons-nous. Ravassi. Conseil qui souhaite faire une déclaration après le vote. Je donne la parole à la représentante des États-Unis. Voilà, nous allons. Merci, Monsieur le Président. Nous allons représenter le pays, les États-Unis d'Amérique. Nous allons entendre là. Entendez-la avec un peu d'attention. Les États-Unis et le Mexique voudraient remercier ensemble. Tous les membres du Conseil qui ont examiné ce projet de résolution, qui est maintenant une résolution, en l'adoptant, nous avons franchi un pas important pour aider le peuple haïtien. Après des négociations solides, je pense que cette résolution reflète le consensus au niveau du Conseil. Nous avons travaillé dans un format accéléré. Nous avons été cependant été en mesure d'intégrer tous les avis de tous les membres du Conseil. Ceci est une réponse initiale aux appels à l'aide lancés par le peuple haïtien. Ils veulent que nous nous engagions, que nous luttions contre les acteurs criminels, les gangs et ceux qui les financent, qui ont accru leurs activités, qui ont contribué à la pauvreté. En réponse à cela, un dirigeant d'un gang dont les actions ont directement contribué à la crise humanitaire qui a causé tant de souffrances pour le peuple haïtien a été inscrit sur la liste des sanctions. Nous envoyons donc un message très clair aux acteurs qui ont pris Haïti en otage. La communauté internationale ne va pas rester les bras croisés pendant que vous causez des dégâts en Haïti. Les sanctions sont les plus efficaces lorsqu'elles sont précises et lorsqu'elles ciblent justement les fauteurs de troubles et permettent à l'aide humanitaire d'atteindre les populations civiles. La résolution que nous avons adoptée aujourd'hui nous permet d'atteindre ces deux objectifs. Nous avons également travaillé à l'introduction de méthodes bien définies, de manière à mesurer à intervalles réguliers l'efficacité de ce régime de sanctions. Et je remercie mes collègues
pour les avis tranchés et les positions tranchées qui sont prises sur la question. Nous avons jeté les bases d'une action à venir qui permettra de lutter contre les acteurs criminels et ceux qui les financent et les soutiennent. Mais je tiens quand même à souligner ici, chers collègues, que l'adoption de cette résolution aujourd'hui n'est qu'une première étape. Nous avons encore beaucoup à faire. Maintenant que le Conseil de sécurité... Balou prend pour nous, on prend attention. Balou prend pour nous, d'accord ? Envoyer un message très clair à ceux qui financent ces gangs par le biais d'un régime de sanctions précis. Nous devons faire fond là-dessus pour relever un autre défi tout aussi urgent, à savoir rétablir la sécurité et apaiser la crise humanitaire en Haïti. Comme je l'ai dit lundi au Conseil, les États-Unis et le Mexique travaillent à l'élaboration d'une résolution qui autoriserait une mission d'assistance au niveau de la sécuritaire, mission non onusienne destinée à améliorer la situation sécuritaire et à permettre l'afflux d'une assistance humanitaire qui est désespérément nécessaire. Ceci est non seulement une réponse à l'appel à l'aide du gouvernement haïtien, mais c'est également une réponse à la suggestion du secrétaire général fait au Conseil de sécurité, étant donné la situation sécuritaire qui se détériorait dans ce pays. Seul barbecue mentionné aujourd'hui est importante, c'est vrai. Cependant, nous devons faire de notre mieux pour continuer d'aider le peuple haïtien en cette période difficile. Merci, Monsieur le Président. Représentant des États-Unis de sa déclaration, je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Voilà, c'est Gracias. Mexique maintenant. Mexique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je commencerai par remercier les membres du Conseil de sécurité. Je les remercie pour leur participation au processus de négociation. Je leur remercie pour leurs observations constructives qui ont permis, sans aucun doute, de renforcer le texte que nous voulons d'adopter. Nous nous félicitons que cette adoption se soit faite à l'unanimité. Ainsi, nous pouvons prouver l'unité du Conseil sur une question particulièrement difficile et qui n'est pas exempte de polémique. Étant donné la crise que traverse aujourd'hui Haïti, le Conseil de sécurité a envoyé un message très clair. La violence doit cesser. Les auteurs de cette violence ne sauraient rester impunis. Il est également important de mettre en place un embargo pour éviter tout transfert d'armes vers ces acteurs non étatiques qui, en plus de terroriser la population civile, déstabilise le pays. Comme nous l'avons dit à de multiples reprises ici, le trafic d'armes est un fléau pour beaucoup de pays. Et c'est un fléau contre lequel nous devons lutter avec fermeté. Cette résolution nous permet d'avancer dans ce sens. Cette résolution envoie également un signal très clair. Le Conseil de sécurité ne restera pas les bras croisés et agira non seulement à l'encontre de ceux qui suscitent la violence dans les rues de Haïti, mais également à l'encontre de ceux qui les protègent, les soutiennent et les financent. Ce que les États-Unis par le biais de ce texte, c'est avant tout de soutenir Haïti dans la lutte que ce pays mène pour mettre en place une coexistence pacifique et pour mettre en place donc une gouvernance démocratique dans ce pays digne de ce nom. Le Mexique tient à réitérer sa pleine solidarité avec ce pays frère qu'est Haïti et exhorte les membres du Conseil de sécurité à continuer de travailler sur les mesures à venir qui devront être prises pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le représentant du Mexique de sa déclaration. Le représentant du Mexique, là, sur le palais là. Moi, dis-nous, nous mettons avec un peu l'attention. Et ça que nous manquons, tendez bien, je ne vais pas le reprendre pour nous dans l'espace, pendant que nous allons intervenir. D'accord? Ça, c'est le représentant de la Chine qui va réagir. Entendez, sévèrement. Dans cette même salle, le Conseil a débattu de la situation en Haïti. Les membres se sont inquiétés
des crises multiples, humanitaires, sécuritaires, qui se sont détériorées, ont souligné la nécessité de trouver une solution politique pour apaiser la souffrance des populations et ont appelé à l'unanimité pour qu'une action solide soit engagée pour serrer la vis et lutter contre les gangs criminels. Le Conseil vient d'adopter la résolution à l'unanimité, la résolution 2653. Il a mis en place un embargo sur les armes, un gel des avoirs et des mesures pour lutter, un régime de sanctions pour lutter contre les gangs criminels. Ceci correspond à la volonté du Conseil de rétablir l'ordre social, la sécurité, défendre les populations et lutter contre les gangs en Haïti. Nous avons toujours demandé à faire preuve de retenue et de prudence dans l'utilisation des régimes de sanctions, quelle que soit la situation internationale. Mais étant donné l'urgence de la situation actuelle à Haïti et l'appel lancé par ce peuple et ce gouvernement, nous avons été les premiers à demander à ce qu'un régime de sanctions précis soit mis en place à l'encontre des gangs haïtiens. Notre proposition... La Chine. A trouvé écho chez d'autres membres et d'autres pays. Nous félicitons les États-Unis et le Mexique qui sont co-coordinateurs de cette question, qui ont préparé cette résolution, qui sont venus nous voir pour obtenir notre avis, qui ont amélioré constamment le texte. Et nous remercions également les autres membres du Conseil pour l'attitude tout à fait responsable lors des consultations. Merci d'avoir travaillé ensemble pour permettre l'adoption de cette résolution sur une base consensuelle. Monsieur le Président, nous espérons que la résolution 2653 enverra un message très clair aux gangs criminels en Haïti, les exhortant de mettre un terme à leurs activités néfastes qui nuisent à la population et continuer de miner les bases socio-économiques de la société haïtienne. Nous espérons que cette résolution enverra un message très clair aux partis politiques haïtiens. Ceux-ci doivent arrêter immédiatement d'être les complices de ces acteurs criminels, arrêter de lutter et mettre les intérêts de leur peuple et de leur pays en premier et arriver à un consensus sur les structures de l'État et sur la phase de transition, et ce le plus vite possible. Nous espérons également que cette résolution 2653 enverra un message très clair aux peuples haïtiens, leur prouvant que le Conseil de sécurité reste saisi de la situation et s'inquiète de leur souffrance et s'efforcera de lutter contre ce fléau qu'est la violence et d'alléger le poids qui pèse sur leurs épaules. Haïti est au bord du gouffre. Elle a besoin désespérément d'une aide de la communauté internationale. Après l'adoption de cette résolution, le Conseil restera saisi de la situation en Haïti. Et nous espérons que dans la prochaine phase de nos débats sur la question, nous continuerons de défendre l'esprit d'unité et de coopération et consultation qui a régné ici. Nous continuerons de mettre l'accent sur des mesures concrètes. L'objectif étant de prendre des décisions prudente sur la question. La Chine entend continuer de jouer un rôle constructif en la matière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Norvège. Représentant de la Norvège. Entendez avec un peu l'attention. T'as pris, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La Norvège a voté en faveur de la résolution. La situation alarmante à Haïti, telle que nous en avons débattu lors d'une réunion récente du Conseil, exige une action de la part de la communauté internationale. Le peuple haïtien mérite notre pleine attention, notre assistance et notre dévouement. Et aujourd'hui, en réponse à cet appel, le Conseil crée le premier régime de sanctions depuis l'année 2017. Ce régime de sanctions est un point de départ important qui permettra de réduire la capacité des acteurs criminels et des gangs à poursuivre leurs activités illicites et violentes qui paralysent Haïti. Nous avons mis l'accent dans l'élaboration de ce projet de résolution et l'adoption de cette résolution sur la mise en place d'un régime solide, un régime qui permettra de dissuader les groupes de recourir à la violence sexiste et sexuelle, de recruter des enfants, donc recrutement par les groupes armés, par les réseaux criminels, et de se livrer à des violations des droits de l'homme qui menacent la paix et la sécurité de Haïti et de la région. Il est important que ce régime de sanctions est également une très forte composante humanitaire. Monsieur le Président, permettez-moi de souligner l'importance de la reconnaissance par le Conseil de la nécessité de mettre en place des procédures claires et justes
l'importance de l'intention du Conseil d'autoriser l'Ombudsman à examiner cette question. Respecter la procédure est fondamentale si nous voulons garantir la légitimité et l'efficacité de tout régime de sanctions. La Norvège a toujours défendu ce principe, le principe de garde-fou pour préserver la régularité de la procédure. Et le fait que le Conseil entende maintenant autoriser l'Ombudsman à garantir le respect des procédures au-delà du régime 1267 est une excellente chose. Il est important que le Conseil continue de dialoguer et reste saisi de la question. Nous nous félicitons de la mesure qui a été prise pour aider le peuple de Haïti. Nous sommes prêts à continuer de débattre de notre projet de résolution dont les États-Unis ont parlé. Nous espérons que celui-ci sera partagé avec les autres membres le plus vite possible. Merci. Maintenant la parole aux représentants de la Fédération de Russie. La Russie maintenant, même à Mapemba. Merci, Monsieur le Président. La Fédération de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par les États-Unis et le Mexique, introduisant un régime de sanctions du Conseil de sécurité à l'encontre des groupes criminels de Haïti. S'accorder sur le texte adopté n'a pas été facile. Nous constatons que les auteurs ont changé leur position initiale peu constructive et ont tenu compte au final des préoccupations des membres du Conseil, préoccupations liées notamment à une hâte excessive et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Le consensus sur cette résolution nous a démontré que même dans les conditions actuelles, le Conseil est capable de parvenir à des résultats positifs s'il travaille de façon responsable, si l'on tient de façon respectueuse des points de vue des collègues et si l'on aspire sincèrement au compromis pour régler ensemble les problèmes difficiles. Nous espérons que Washington et le Mexique, en présentant ce régime de sanctions au Conseil de sécurité, ont tenu compte de l'avis des acteurs de la région. Beaucoup de ces derniers, franchement, subissent également la pression des groupes terroristes, autant que Haïti. Et les États-Unis, à ce sujet, n'appartiennent pas à une liste blanche. Malgré l'appui apporté au document, nous ne sommes pas convaincus que les mesures de restriction internationales seront la réponse adéquate aux nombreux problèmes que rencontre Haïti. Une solution à long terme, d'une façon ou d'une autre, devra tenir compte d'un processus politique inclusif, du développement socio-économique, de l'éradication de la pauvreté et des inégalités. Il convient absolument de renforcer les institutions de l'État du pays sans imposer des mesures de l'extérieur, qui caractérisent en fait presque toute son histoire contemporaine. Nous constatons que le problème du flux des armes illégales et de la criminalité organisée aux Caraïbes n'est pas directement lié à Port-au-Prince. D'autres acteurs extérieurs sont concernés et ils ne doivent pas être hors du champ des sanctions du régime de sanctions et du groupe d'experts qui va devoir agir conformément au mandat. Mm-hmm. Dans tous les cas, les mesures de restriction ne doivent pas isoler Haïti ou empêcher le processus politique du pays. Les sanctions du Conseil de sécurité, ce n'est pas un instrument de punition, mais c'est un des outils à l'arsenal du Conseil de sécurité pour réagir de façon ferme aux menaces. Les mesures de restriction internationale doivent être analysées régulièrement, tant pour ce qui est de leur nécessité, et elles doivent être allégées ou levées le cas échéant. Nous continuerons à suivre de très près la situation. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Irlande. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Et alors, moi-même, ça qui est important là, ma parole qui en a payé, et je pense que nous sommes capables de passer sur l'intervention et intervenir ça, qui c'est l'Irlande. Ça qui est important, c'est l'intervention de la Russie avec la Chine, qui nous a décidé pour nous déposer accent sur les. Mais pendant que je dis ça, c'est le bagage qui est extrêmement important. Et le représentant pays de la Russie, hein, fait une intervention, il dit comme ça que, et Zamio, mon cap alimenté gang, Zamio, effectivement, il n'est pas venu, et bien dans Haïti, il produit Zamio.
OK, ça veut dire zamyo c'est l'autre côté au sorti. Moun qui fait venir zamyo dans pays d'Haïti, sanction ça supposé toucher au tout. C'est là qui est extrêmement important. Même ça qui est intéressant pour moi pour que me questionner. Les États-Unis d'Amérique, le Mexique, le Canada, Conseil de sécurité des Nations Unies, ils compte tout le monde qui a parlé de gang. Effectivement moi me voulais que yo aller droit au but. Me pas perdre du temps, pas passer par quatre chemins, me voulais que yo aller droit au but. Nèg nan pouvoir a alimenter gang, c'est pour yo saisir bien yo, OK? Frise à 40 yo ou du moins foot maré yo. OK? Nèg ki nan secteur privé alimenter gang tout yon moun nan pays an, saisir bien yo, frise à 40 yo foot yon bakod. Ou bien tout peuple la pour manchette li, là le marché prend yo. C'est bagage, c'est bagage correct qui pour faire. Mon passe pas quatre chemins, employé de la diplomatie, ça conseil sécurité des Nations Unies a fait un travail pâle. Nous même travaillons pas nous comme haïtiens, nous supposons faire pas nous en parallèle ensemble avec eux. Pour nous montrer que nous couper fâché avec violence là. Nous pas tolérer ça dans le pays encore. Il n'est pas possible. Nous pas accepter, nous n'a pas de mourir dans le pays toute la journée et puis mon cap tout mon yo, yo toujours vivre dans le pays. Boulos pas dans le pays, la parlementaire gang dans le pays. Et puis tout pour n'a tolérer. Non. Ça faut qu'il finisse. Faut qu'on côté le river, faut qu'on groupe monde qui pour montrer que ça a des actions concrètes, qui a posé, qui montre OK, pas de possibilité du tout pour continuer avec ça dans fait là. Ou représentant que nous gagne sur le terrain qui fait violence pour nous éliminer. Et fini. C'est comme ça pour nous faire. Tout le monde gagne comme si nous avons du parlementaire, qui a géré le pouvoir, qui fait comme si ou qui a le pouvoir politique là, peuple marche prendre, foutre marche sur lui. Et fini. On avance, Conseil de sécurité des Nations Unies. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Le Kenya remercie le Mexique et les États-Unis pour Kenya. Les efforts qu'ils ont déployés pour maintenir des consultations très larges sur le projet de résolution que nous venons d'adopter. Nous avons voté en faveur de celui-ci. Nous avons veillé de concert avec nos collègues africains de veiller à ce que celui-ci soit équipé d'un mécanisme d'examen et qu'il soit centré et qu'il cible en fait ceux qui remettent la paix en question à Haïti. Nous remercions les coordonnateurs et nous remercions les autres collègues qui ont accepté la proposition du groupe A3, donc des trois membres africains du Conseil de sécurité. Cette résolution est l'une des mesures les plus concrètes prises par le Conseil de sécurité ces derniers temps. Elle représente la première mesure véritable sur laquelle nous pourrons, qui pourra servir de base à un règlement durable à la crise en Haïti. C'est un signal très fort de la détermination et de la volonté du Conseil d'être aux côtés du peuple haïtien pour lutter contre les gangs et leur soutien. Nous nous félicitons de la mise en place de critères pour mesurer l'efficacité du régime de sanctions. Ces critères permettront justement au Conseil de sécurité de mesurer les progrès et d'ajuster progressivement les mesures en fonction de l'évolution de la situation, de l'amélioration de celle-ci. Nous félicitons le Conseil qui a su prendre la bonne décision. Et nous espérons que ce même état d'esprit pourra se faire sentir dans d'autres dossiers. Ce régime de sanctions dépendra bien sûr de la coopération et du soutien de la communauté internationale, notamment des États de la région. Il supposera un partage d'informations, une coordination pour veiller à ce que ceux qui sont responsables de la souffrance des Haïtiens aient des comptes à rendre. Une assistance pour renforcer les institutions haïtiennes est d'autre part aussi nécessaire. Nous nous félicitons à cet égard des initiatives lancées récemment par la CARICOM et d'autres amis de Haïti. Nous tenons à réitérer notre soutien à une solution contrôlée, dirigée par Haïti, par le peuple haïtien, à la crise actuelle. Nous sommes convaincus que malgré des avis divergents, des dirigeants haïtiens à l'heure actuelle, ils seront en mesure de trouver, de faire émerger un consensus et de façonner un avenir meilleur pour Haïti. Nous continuerons en ce qui nous concerne, nous resterons saisis de la question, puisque la prospérité, la sûreté et la sécurité d'Haïti nous intéressent, et nous mettrons tous nos moyens à disposition de Haïti pour la soutenir, même après la fin de notre mandat. Au niveau du Conseil, je tiens à réitérer notre solidarité en faveur du peuple haïtien et notre volonté de protéger l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de Haïti. Je vous remercie. Bien de cette déclaration, je donne maintenant la parole à la représentante des Émirats arabes unis. Monsieur le Président, en votant en faveur de cette nouvelle résolution, nous réitérons notre appui en faveur
des efforts visant à régler les problèmes sécuritaires en Haïti grâce à des sanctions ciblées contre les groupes criminels. Les violences et la terreur que sèment ces groupes criminels dans la population sont inacceptables. Ce régime de sanctions sur les gangs armés est un pas important pour faire face à la situation, notamment l'embargo sur les armes afin d'endiguer l'arrivée d'armes illicites pour ces groupes armés. Monsieur le Président, les informations moroses que nous avons entendues sur la situation humanitaire déplorable en Haïti, y compris les pénuries d'alimentation, d'eau et d'électricité, et la flambée de choléra, sont autant d'éléments dévastateurs. Nous saluons donc cette résolution qui intègre les propositions des Émirats arabes unis avec l'appui des membres du Conseil pour des exemptions humanitaires afin de réduire les effets des sanctions sur l'assistance humanitaire. Et nous saluons l'approche constructive des auteurs de la résolution, dont la preuve en est l'adoption à l'unanimité de cette résolution. Nous saluons également l'intégration de nos propositions afin de reconnaître le rôle important des organisations régionales, notamment la CARICOM, pour épauler Haïti sur la voie de la paix et de la stabilité. Nous saluons également l'ajout de propositions visant à renforcer les critères d'inscription à la liste des sanctions pour faire face aux informations terrifiantes de violences sexuelles et sexistes commises par les groupes armés. Nous appuyons pleinement ce libellé. Nous nous réjouissons de poursuivre nos discussions afin d'établir des seuils clairs et réalisables pour la levée des sanctions lorsque cela sera temps. Nous reconnaissons que cette résolution n'est pas la panacée, mais pourrait relancer Haïti sur la voie de la paix. Nous appelons toutes les parties prenantes d'Haïti à travailler en faveur d'une solution. Je vous remercie. Merci la représentante des Émirats arabes unis de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Brésil. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Pablo me dit non, et continuer, ça veut dire que nous mettons prêter ma attention, non? Pour nous tendre, après ça, m'a continuer pour nous. D'accord? C'est intéressant. Ça, c'est représentant pays Brésil. D'accord? Aura un effet positif sur le terrain. Nous estimons qu'interdire le transfert d'armes légères et de petit calibre à tous les acteurs non étatiques d'Haïti, ainsi que l'adoption de mesures adéquates contre ceux qui appuient les violences, notamment grâce à des gels d'avoirs et des interdictions de voyage, pourront atténuer les violences dans le pays. La Charte des Nations Unies dote le Conseil de sécurité de différents instruments pour maintenir la paix et la sécurité internationale, notamment les sanctions. Les sanctions peuvent constituer un outil légitime et efficace lorsqu'elles sont adoptées de façon multilatérale, lorsqu'elles sont ciblées et qu'elles sont prévues pour avoir le minimum de retombées sur la population civile. Toutefois, comme pour toute mesure coercitive, les sanctions peuvent avoir des effets négatifs. Voilà pourquoi, pendant les négociations, le Brésil a tenté d'établir un mécanisme de supervision, d'exemption humanitaire, ainsi que des conditions pour la levée des sanctions. Nous estimons que ces paramètres sont essentiels pour que les mesures soient appliquées de façon responsable et efficace. Nous félicitons des mesures d'exemption humanitaire. Les acteurs humanitaires doivent pouvoir répondre aux besoins de la population. Si les mesures et l'assistance humanitaire ne peuvent pas être accomplies en raison d'une surconformité ou d'une impossibilité d'agir, les conséquences seraient immenses. Nous reconnaissons la nature spécifique de chaque régime de sanctions et nous encourageons à ce que ces mesures humanitaires soient répliquées dans d'autres régimes de sanctions. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité a beaucoup avancé dans son amélioration des régimes de sanctions en prenant des sanctions ciblées, en prévoyant des dérogations humanitaires et en établissant des mécanismes de surveillance avec le groupe d'experts. Toutefois, il convient véritablement d'établir des normes minimales d'un processus équitable conformément au droit international. Dans le cas contraire, l'efficacité des sanctions est hypothéquée. Nous déplorons donc que le Conseil ait manqué l'occasion dans cette résolution de traiter de la question.
la prolongation du mandat de l'Ombudsman ou la création d'un mécanisme d'examen parallèle chargé d'examiner indépendamment les demandes de radiation de la liste aurait pu renforcer la transparence et le bon fonctionnement du système. Cela aurait pu également renforcer l'efficacité des travaux du Conseil en atténuant les risques de voir nos décisions remises en cause au niveau national ou international de la part des individus inscrits à la liste. Nous prenons note du fait que le bureau de l'Ombudsman a été intégré dans le préambule et nous continuerons d'insister sur l'importance de cette question de l'équité et de la transparence, tant pour ce régime de sanctions que pour les autres. Monsieur le Président, établir un nouveau régime de sanctions au Conseil après 5 ans est une responsabilité immense et établit un précédent pour les prochaines mesures du Conseil. Voilà pourquoi nous aurions souhaité un processus de négociation plus transparent et interactif afin de tenir compte de toutes les questions encore en suspens. Monsieur le Président, certes, nous sommes convaincus que nous aurions pu en faire plus si nous avions eu le temps de procéder à des débats approfondis, mais nous espérons que la résolution apportera ses fruits. En guise de conclusion, je réitère l'engagement du Brésil en faveur d'Haïti, un engagement infaillible visant à atténuer les souffrances de la population. Merci. De cette déclaration, je donne maintenant la parole à la représentante du Ghana. Merci, Monsieur le Président. Le Ghana se félicite de l'adoption à l'unanimité de ce régime de sanctions qui reflète la détermination du Conseil à mettre en œuvre des sanctions ciblées contre les personnes qui s'adonnent à des violences de gang ou des activités criminelles en Haïti. Nous aimerions saluer les porte-plumes, le Mexique et les États-Unis pour leurs efforts visant à tenir compte des préoccupations des différentes délégations et pour le consensus obtenu sur la résolution. La population de Haïti se heurte à bien des difficultés. Alors... Voilà. Et point que m'a fait qui est important, désolé. Alors, m'a dit nous ça honnêtement. Après-midi, en 6 p.m., n'a pas tout ça qui est passé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein? Et dans l'académie, ça qui a fait live sur la plateforme YouTube. Et alors, comme d'habitude, live qui est fait à partir de 6 p.m. chaque jour. Vous comprenez? Mais ça qui est important pour nous dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, hein? Et que c'est de nouvelles sanctions qui votaient à l'unanimité. Ça veut dire que c'est tout conseil, hein? Pas gagné de différence, pas gagné de pièce problème ni rien. Ça veut dire que vous mettez d'accord, vous entendez sur ça, et que vous votez à l'unanimité que sous l'autre sanction. Mais ça qui est important, il y a de sanctions. Si on gagne que vous mentionnez, vous plus parlez de lui, lire les Jimmy Cherizé Barbecue. Ça veut dire que Barbecue de Genève. Ça veut dire que c'est lui-même qui gagne dans le pays. Je parle de côté que vous parlez de ISO. C'est la prime en eau. Ça veut dire que vous n'avez pas un problème. Puis l'action que vous posez, vous n'avez pas de gang ça au valeur, ou du moins gang ça va dans le dimanche au barbecue, vous n'avez pas de qui gens qui ont un barbecue. Ou du moins, est-ce que l'air après l'attaquer, vous avez juste passé pour un yo parmi l'autre silo? Vous n'avez pas. Mais c'est ça qui est important. Parlons de barbecue. C'est barbecue seulement. Pourquoi j'aime t'as découvert parler non nég que yo retire visa yo a. Pour qui ça va citer non yo et c'est seul barbecue yo citer non. Ça veut dire que des Genève en famille alliée, groupe tech qui bloqué et bah gaz. Yo plus accentué sur bagage gaz là. Et ça qui est important que moi-même t'es toujours envie d'attirer attention dans son lit. C'est exactement dossier gaz là qui gagne volume intérêt ça là-dedans. Parce que pas oublier. L'on parle de gaz, ou parle de yon décision que le président Jovenel Moïse te prend, qui pour te couper contre la gaz là. Et c'est yon décision qu'il te prend, nan ki sa ou tout, yel pou sa tout. Parce que gaz, l'on parle de gaz, son groupe moun qui pa mette de la de yon, avec l'argent l'État, yon commande gaz, yon fait 42 millions de dollars américains sous chaque gallon gaz que l'État commande ya. Yon va mettre 5 gouttes de yon. L'État commande 600, alors 42 millions de gallons gaz dans le stock pour un mois. L'État, vous entendez, vous avez un contrat ou vous avez un contrat dans l'État, vous prenez un cobla, vous commandez gaz pour l'État avec un prix. Depuis que le gaz a monté bateau, chargé sous bateau, vous fait 42 millions de dollars américains. Sans que vous mettez 5 cobs de yon. Vous allez bien, oui?
C'est-à-dire, c'est des gros intérêts. Ça qui n'a pas travaillé même pour une seconde dans la ville, et puis il a fait comme ça. L'argent de l'État, commande de gaz, et puis il a fait 42 millions de dollars américains. Il fait 1 dollar américain sur chaque gallon de gaz. Non, sérieux. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit nous là? Ce gros bataille que lié, oui. Et mais qui s'est passé? N'est-ce que vous voyez que le bateau a rien, pas tellement longtemps pour le tomber. Pas tellement trop de temps pour le tomber. Mais ils ont décidé, ils ont dit, si c'est 2 derniers mois, 3 derniers mois pour nous faire dialogue, dans la fond façon, pour nous doubler le gaz là, pour nous mettre au chaos, dans le chaos ça, nous sommes capables de faire blanc, rentrer pour venir sécuriser nous, et décision passée, nous avons fait 84 millions de dollars américains dans le gaz là, là ça n'a toujours été au pouvoir, c'est juste une élection, nous allons mettre pouvoir, si nous sommes capables de pouvoir en 2024. Barbecue dit Michel Izier, bloqué. 84 millions de dollars américains qui n'ont pas le fait dans le pays. Barbecue pas de l'eau pour la ville. Anne pour l'autre représentant. Contre le choléra. Nous espérons que le texte adopté va être immédiatement mis en œuvre dans la lettre et l'esprit. Et surtout, nous sommes persuadés que le Conseil vient d'envoyer un message fort de solidarité au peuple haïtien pour dire que nous sommes aux côtés du peuple haïtien. Nous réitérons notre attachement au respect de la souveraineté et à l'intégrité territoriale de Haïti. Je vous remercie. Je reprends à présent mes fonctions de président. Je donne maintenant la parole aux représentants de Haïti. Jean-Victor Généus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les États-Unis d'Amérique et le Mexique, co-rédacteurs chargés du dossier d'Haïti au Conseil de sécurité, pour l'élaboration de la résolution 2653 et pour avoir mené avec succès les négociations qui ont permis son adoption à l'unanimité. J'exprime aussi ma reconnaissance à toutes les délégations pour leur engagement constructif dans les négociations, ce qui a contribué à l'élaboration de ce texte dans lequel les intérêts de tous sont pris en compte. Je voudrais à cet égard leur exprimer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement d'Haïti. Monsieur le Président, la délégation haïtienne se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2653 établissant un régime de sanctions spécifiques qui cible les chefs de gangs armés qui opèrent en Haïti et tous ceux qui les soutiennent, soit financièrement, qui leur procurent des armes et des munitions ou par tout autre moyen. Ces mesures restrictives consistent en l'interdiction pour ces personnes de voyager, le gel de leurs avoirs et un embargo sur les armes pour les acteurs non étatiques. Ces sanctions se basent sur des critères bien définis dans la résolution 2645, à savoir se livrer à la violence des gangs ou l'appuyer, 2645, mener des activités résolution. Criminelles ou commettre des violations des droits de l'homme, faire obstruction à l'acheminement de l'aide humanitaire ou des produits essentiels à la population, ou entreprendre d'autres actions qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti et de la région. Il ne fait aucun doute que ces mesures contribueront à mettre un frein aux activités violentes et meurtrières des groupes armés qui prolifèrent dans le pays et causent de nombreuses victimes et des déplacements massifs de la population. Elles envoient un message politique fort, dissuasif, à même de faire changer le comportement des acteurs qui opèrent sur le terrain. Par cette décision, le Conseil a démontré sa volonté d'accompagner le peuple haïtien vers un retour à un environnement sécuritaire et à la stabilité politique. Il manifeste la volonté de la communauté internationale de jouer son rôle dans la résolution de cette grave crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face, de montrer au peuple haïtien qu'il n'est pas seul, que ses cris de détresse ont été entendus. Monsieur le Président, il s'agit certes d'un pas dans la bonne direction. Il faut cependant continuer sur cette lancée pour un résultat durable. En effet, pour être efficace, qu'elle puisse être comme moyen de dissuasion,
Les sanctions seules ne pourront pas éradiquer cette violence élevée qui ronge Haïti et cause des souffrances indicibles infligées à la population, particulièrement les femmes et les enfants. La police nationale d'Haïti, nous le répétons à satiété, ne dispose pas d'une capacité à la hauteur de la menace que font peser les groupes armés. Le secrétaire général, dans son rapport S-2022-761, en date du 13 octobre 2022, a bien reconnu que, je cite, « l'amélioration des capacités de la police nationale ne suffira pas à elle seule à susciter les changements en profondeur dont Haïti a besoin pour remédier durablement à la crise sécuritaire multidimensionnelle. » Dans ce sens, la requête du gouvernement haïtien pour un appui robuste sous la forme d'une force spécialisée qui viendrait en aide à la police nationale d'Haïti, mérite une considération attentive de la part des membres du Conseil. Monsieur le Président, en guise de conclusion, ma délégation tient à souligner que nous sommes dans une course contre la montre, car il s'agit d'un pays qui chaque jour s'enfonce davantage dans le gouffre de la violence et de l'insécurité. Il s'agit de la vie de milliers de gens qui est en jeu. Chaque jour de perdu pour apporter une réponse adéquate à cette situation, ce sont des victimes innocentes de trop qui sont causées. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Haïti de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur inscrit sur la liste. La séance est levée. Très bien. C'est exactement le Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a réuni et sous dossier pays d'Haïti. Mais évidemment, à l'unanimité, le Conseil a voté pour que vous sanctionnez les gens qui financent les gangs, les gens qui alimentent les gangs et gangs à sa patte. Ça veut dire qui ça? Vous décidez pour prendre sanction, ça veut dire qu'il y a frise à 40. Il y a frise compte en banque nèg yo. Il y a saisi bien yo. Et yo stoppe nèg sa yo pour nèg sa yo pas voyager dans pièce pays. Mais kounya la, et nèg sa yo ki 50 000 passeports. Les nèg ki gen passeport israélien et comment rele. Moi il faut que tu ba liste là. Et liste là qui intéresse moi, c'est que m'a ba nou rendez-vous à 6 p.m. après-midi parce que bouri charge pas camper. Maman petite ma revente. Aïe aïe aïe. Jovenel Moïse ko ken nan kolèt yo. Même ça qui est important, résolution 2645 là exactement faut que entre en application. OK? Moi ça yo parler de résolution 2653. 2653 et de les seulement à parler. OK? Ça veut dire que ça qui est important, c'est résolution 2645 là, que toute nation, tout pays attend, c'est les mêmes nous te besoin, nous te besoin, pardon, c'est les mêmes attend pour entrer en application à la lettre. Mais sauf que, moi, t'as dit que vous parlez de freeze compte en banque, OK? OK? Et saisis bien moun, ça est important, je sais que le fait partie de résolution 2645 là. Sauf que m'attend action concrètement, OK? Ça veut dire que nous même là, il faut bientôt nous recevoir des gens qui prétendent information de action, il y a action qui n'a pas pour le moment, même pas que ce va parler dans bouche encore pas perdre du temps, c'est exactement ce que pour le faire là pour le faire. Et bataille qui gagne la libre petit du tout et que Mexique avec États-Unis d'Amérique font gros travail, mais effectivement m'attend pour que yo mette en application résolution 2645 à la lettre ou du moins pour yo saisir compte en banque monsieur Damio. Ça lit extrêmement important. Jodi a pas oublier nous 21 octobre 2022 ou sous plateforme parlant qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Il est extrêmement important. M'a dit ou même capitaine de cap garder là, pas négliger brancher plate brancher émission ça à partir de 6h PM après-midi là même à 6h PM. 6h PM et après-midi là même n'a live ensemble avou et en pile parole pas parler. Et un peu de parole pour parler parce que l'émission il faut bientôt charger après-midi. Hein. Mais sauf que ça que m'a dit, moi pas connais et comment ça a fait. Mais l'assemblée du Michel Rizé Barbecue pas de chance même. Il pas de chance même parce que c'est seul barbecue seulement au prêté du doigt. D'accord? Et c'est le barbecue seulement au prêté du doigt. Et yo prend décision pour que yo sanctionne barbecue une autre fois encore. Même pas qu'on ait sanction ça, est-ce que c'est des sanctions civiques qui ont et physiques, pardon, qui ont lié? Est-ce que c'est des sanctions physiques qui ont lié? Naptan et ça vient pour venir. Naptan ça vient pour venir et dans jour qu'a venir là parce que situation est complètement dégénérée, sauf que moi-même me senti que Nagariel a bataille en pile
c'est un débarquement militaire qui peut être fait dans le pays d'Haïti. Oui, nous avons besoin de support. Nous avons besoin de support. Et réel, côté que nous avons gagné une force spéciale anti-gang pour venir démanteler les gangs. Pour venir démanteler les gangs, pour venir démanteler les assassins. C'est important pour nous faire tout ce qui est capable pour nous démanteler les gangs, démanteler et mettre les gangs. C'est très important et pour que nous. Et fait travailler ça comme ça. Sauf que, Jacques Kennedy a besoin de force robuste pour venir démanteler les gangs, c'est là, comme si vous venez contrôler tout le territoire, nous-mêmes, ça, lui-même, il n'a pas d'avantage, il n'a jamais d'avantage, nous, comme peuple. C'est intéressant. Il faut que nous nous mettions en pile avec monsieur. Mais ça qui est important là, je ne sais pas, tout à l'heure, oui, Conseil de sécurité des Nations Unies, fin, voter, majorité, section. Voilà, c'est toujours le même bagage là, en pile information à venir jouer nous, et nous-mêmes dans InfoBeto. En pile information, après les jeunes nous là, c'est toujours autour de décisions que le Conseil de sécurité des Nations Unies en prend. Mais effectivement, c'est en Lucas qui fait intervention ça, qui nous trouvait qui est important pour que nous tendions encore une fois. C'est toujours dans ça qui est pour avec que ce bagaille n'est que coupé visa. En nous tendons Stanley Lucas ensemble avec pendant quelques minutes et puis pour nous capables et du ça pour nous, important. On commence par troisième étage là, qui gagne trois anciens présidents. Yo. Avec oligarque qui gen passeport étranger ou pas gen passeport haïtien et pour ça révoquer bizarre son excusez-moi son bluff li saisi compte en banque yo et saisi compte en banque là li gen 14 catégories là-dedans. Première catégorie a sans nous pas rentrer dans non oligarque yo gen 15. Deuxième catégorie a ancien président yo gen 3. Bah nous gen en pile plus que 3 anciens présidents vivants et c'est 3 là-dedans. Officiel gouvernement qui nan l'État, qui nan gang, gen 13. Sénateur en fonction qui nan gang, gen 3. Ancien parlementaire qui nan gang, gen 17. En dans CSPJ, à juge kap kore gang, gen 32. Nan commandement la police, nan kap coordonné fantôme 509, gen entre 4 et 6. Policier qui nan gang, gen 80. Leader politique qui nan gang, gen 8. Chef de gang yo 53 et plus. Nèg kou de kont kap kore pa deye, gen 2. Dwaz imen ki nan gang, gen 3. Journaliste ki ap kore communication gang, gen 4. Lobbyist blanc kap fè démarche nan Washington, indirectement kap kore gang, gen 2. Gen 14 kategori nan lis lan. Ki, ça veut dire que à travers ministère du Trésor des États-Unis, en moins d'une semaine, Américains ont une capacité mondiale pour freeze contre un banque moun sa ayo. Pour qui ça n'a pas fait? Pour qui ça a été révoqué visa? Tout le monde a révoqué visa yo là, dans 4 ou 6 mois, et après, il y a le visa là encore. Il n'a pas révoqué visa, il y a un SDP. 4 mois après, il n'a pas trouvé un visa, il monte à New York, là, où madame n'y a petit li. C'est vrai. Moi-même, une bonne solution réelle de la situation. Et solution réelle de la situation, li pa nan Montana, li pa nan Ariel avec accord 11 septembre, li pa nan Conseil de transition. M'a répété encore dans l'émission. C'est l'application de l'article 149 de la Constitution qui dit ou pa ka mette président, lò fin toujours président. Son premier ministre a gouvernement pour mettre. Premier ministre qui doit remplacer Ariel là pour garantir que tout cob l'État retourne dans provinciaux. Chaque département bay 2 moun on fan mon garçon li bo 20 moun nan mitan 20 moun sa yo n'a mette premier ministre lan ak 18 ministre lan laisse ça c'est pas oligak ki chita nan kap jouer poker nan Peggyville ou bien nan Bonne Calvaire kalbo gouvernement Stanley Gonzami ki mirbalé ki di m gonzan tan pri chiffre sa yo koto joine yo parce que il ta remen gen sous yo en fonction de ki sa ou rale chiffre sa yo même et zami gon bagay pou fè tout document ki publié ki public pa jam jete yo toujours collecté yo c'est pi gros source d'information m'a bon exemple pou ka comprendre gon livre général Prosper Avril te publié sur l'insécurité en Haïti livre que général Avril ancien président pays a te publié sur insécurité a li bo tout moun yo touye qui lè yo touye yo ki jan yo touye yo. Ou konn a ki sa l fè liv lan? A coupure de journaux et rapport de presse. Li fè recherche yo. Tout sa map dou la yo, c'est des informations disponibles ki yo ye. Par exemple, lè yo dou, mes journalistes ki nan gang, c'est des rapports de presse ki ba yo.
Le yo dou men oligak ki nan gang. Depi soal youth, bon, ma bon exemple, zami mi balè. Soal sou YouTube, ou pren deklarasyon barbecue, ou pren deklarasyon vitel om, ou pren deklarasyon chien méchant, ou pren deklarasyon iso util apli, ou jwen afiliasyon yo toutoui. Ki oligak kap finanse yo yi, ki lider politik kap finanse yo yi. Information au public, ce n'est pas inventé, n'a pas inventé. Barbecue do, qui est-ce qui connaît, qui oligarque qui convoie une motocyclette Bali, 50 000 $ Bali, qui sénateur convoie une Bali, 30 000 $ Bali, chez méchant do, qui ancien président chambre des députés, qui voit plusieurs Galil à 9 mm Bali. Ça veut dire que chaque nèg yo vite l'homme innocent là même quand des interviews qu'elle fait dans Info Beto avec Boukanté la parole monsieur bon toute connexion qu'elle gagne oui politique et gouvernementale oui elle dit que le secrétaire général parlait qu'elle primate si tout nèg yo dans gang oui frère donc moi même ça m'a dou là c'est 11 millions moun qui en danger regardez tout ouais tout ou tellement by liste dans avec on rectitude on assurance tout pour n'a dit oui faut monsieur prouver ça n'a dit yo un modèle émission comme ça Stanley OK bon exemple non ma bon exemple OK en matière de documentation oligarque yo l'on monte sur YouTube ou joine toute documentation qui montre Reginald Boulos dans gang qui j'ont vraiment là les gon passeport américain sont américains nèg là qui j'ont vraiment qui joue vraiment elle? Chalmas à la réseau gang Dimitri Vobla, comme si tout le monde ne connaît qui est-ce qu'il a donné. Don Gato. Non, mais faut me dire chef gang yotou et chef gang yotou. Ou pas qu'a fait au foie sous parole yotou, non? Non, pas qu'a fait au foie sous parole yotou. Ça veut dire que nèg la gang doit décider de n'importe bagay. Chef gang nan gang doit décider. Non, bon, évolution gang. Ça veut dire que faut gagner des preuves, faut gagner des documents là, puis gagner des preuves, etc. pour venir. C'est ça, c'est ça. Parce que d'accord avec vous. Ouais, même agence, vous savez, c'est intéressant, surtout que c'est la presse là. Moi-même, personnellement, il n'y a pas deux agences de l'autre journaliste international qui toujours après l'aime, qui dit, mon cher, qui était là, je me disais, je ne suis pas au courant de ce qu'on a expliqué là. Gagner qu'on a pris l'aime, comme vous avez dit, ou t'es fait interview. Checker cinq fois l'information, ou t'es fait interview. Ou t'es fait interview avec tel gang. Est-ce qu'on a facilité, nous connaissons, dit monsieur? Je n'ai aucune relation avec la question de la question. Son journaliste, dans le pays, il y a une situation de déformation. Dans quelle déformation, c'est ça. Moi, je suis gang. Mais les journalistes, ou les gens qui ont pris le téléphone dans son étranger, ou par contre, qui est lié, ils doivent s'investiguer, ils doivent investiguer sur tout. Vous comprenez tout ça, vous comprenez bien. D'accord avec vous. Mais parole, chef de gang, ou pas qu'à prendre comme l'évangile, comme quoi les gens. Il y a son double standard. Oui, c'est ça. Bon bagaille. Moi-même, quand même, nous sommes spécialistes en développement politique. Stanley, ouvre-moi deux minutes. Parce que, Pabli, son petit rubrique spécifique, sur ça. Ok, bon finil. Je fais Afghanistan. Et bon, d'où, mal côté qui pi dit, je fais Nigeria, côté qui est Boko Haram, mal côté qui dit. Bon bagaille qui est important pour nous garder, pour comprendre le phénomène gang nan tout. Qui j'en fait gang nan vin prendre indépendance, si j'en prends là pour conclure. Aïssid Krasé la mer, li monte, la mer rouge, la mer timanchette, la mer rat, dominant bois, balé bouzé, la trier. Koulia, Aïssid vin gen problème en 2004-2006. Oligak yo vin récupérer gang yo nan mer Aïssid. Depuis le sa, c'est oligak yo vin met gang. C'est vrai. C'est oligak yo qui vin fè des chefs de gang vin sénateur de la République et député de la République. Koulia, les sénateurs et député de la République qui était chef de gang. Vingen statut officiel, yo servi avec immunité parlementaire yo pour élargir gang yo. En même temps tout, gen des anciens présidents qui vin évoluer nan affaire gang nan. Aristide gen tan la dan, Matéli pral vin nan gang Galil, privé depuis le ministre de l'Intérieur a distribué zam bay gang, li kwè la dan. Pendant deux li vin président provisoire, li fait 39 cargaison zam entrer dans pays. Oui, Stanley, mais ça va faire moins. Où est-ce que ça va dire là? Rendez-vous demain soir pour une émission spéciale avec Stanley. Ma fond l'autre surprise encore. Non, demain soir. Mais ok. Ça veut dire, vina chiffre à l'appui, document à l'appui, nous allons frapper demain. Effectivement, c'était Stanley Lucas. Mais ça qui est important, hier, effectivement, Gary Pierre-Paul Charles fait une intervention sous sommation que Joseph Félix Badiou
voyez pas lire, voyez pour lire. Mais moi-même, pendant quelques minutes, nous prenons le temps de l'intervention de Gary Pierre-Paul Charles. Rends-moi service ça, parce que je dis, moi, dis non, ça clairement, c'est de bagarre, c'est de point par point. OK? Et rends-moi service ça, nous entendons ça ensemble avec et Gary Pierre-Paul Charles. On avance. Un de l'assassinat du président. Ma vie, tu sais. Mais comment tu as envoyé ce papier à Scoop, à Gary Pierre-Paul Charles, à Louko Désir, à Esaü et à Pierre Espérance? Quelle est la valeur juridique de cet exploit ou bien de ce document? C'est cette question que nous devons poser, nous. Quelle est la valeur juridique de ce document? Je réponds. Ce document a très peu de valeur juridique. Val. Et je dirais, aucune valeur. Suis-moi bien, oui, parce que tu n'as pas la bonne suis-moi bien. Document n'a pas gagné aucune valeur juridique. On n'y est du tout, pas gagné pour la justice du tout. Ou action en diffamation pour un dossier pénal, le subsidiaire par rapport au dossier principal. Ça veut dire, Badiou a gagné déjà une action qui est tentée contre lui dans le dossier assassinat. Dossier diffamation, ce n'est pas lui qui a prééminence, c'est lui qui fait le dossier assassinat. C'est lui qui a regardé pour voir si c'est vrai, qui diffamation ou pas. Donc, ce n'est pas un acte juridique que lui. Cela veut dire clair, la déclaration faite dans la presse sur Jovenel Moïse, pas de monde qui a au courant si diffamation ou pas, donc, bagay badjoua, dossier badjoua nul. Seul je pour considérer dossier badjoua important, vrai, faut que bon procès qui fait, et c'est après procès. Yo dit, badjoua pas impliqué. Et c'est à partir de ce moment que le juge correctionnel là, il est capable d'intervenir sur lui. Mais entre-temps, pour question qui a rapport avec diffamation, le juge correctionnel là, il a suspendu l'audition à faire rapide jusqu'à faire procès. Et c'est après procès, il est capable de faire attaque à la diffamation. Donc, le dossier n'a pas de valeur juridique. Question 2. Si sur le plan juridique, le dossier de Badjo n'a pas de grande valeur, donc Badjo est à la recherche de notre résultat. Si l'homme de Badjo a chassé, son action donc a un caractère purement politique. Voyons maintenant ce qui se passe sur le plan politique avec Badjo. Parce que juridiquement, ça ne tient pas debout. De l'enquête menée par la DCPJ relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans page 118, qu'on y a ma réponse, Badjo. Il a écrit, et m'a dit Badjo, m'a cité pour lui. Quand du nom de Félix Badjo, il est considéré comme étant l'un des cerveaux de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Selon l'information de DCPJ, et Badjo, c'est lui qui t'a coordonné sur le terrain l'assassinat du président. Badjo, je cite, sur existe toujours. Allons dossier à regarder pour eux. Et on continue toujours, n'a pas senti du tout. Je dis, un mandat d'amener a été émis contre certains suspects, dont Félix Badjo. Mais bagay là, mini, yo relevé également que Félix Badjo t'a parlé à premier ministre en téléphone. Non, rapport. C'est là qu'on allait. Non, rapport. Et quelques heures après l'assassinat, t'es con CSPN spécial sous question ça. Claude Dega témoigne de ça. Parce que moi-même, vous connaissez mon dossier à bien. Et vous citez non Badjo comme suspect numéro 1. Et c'est Badjo, selon CSPN qui t'a fait là, qui t'a fait le lien entre les grosses légumes, c'est-à-dire monde qui t'a financé l'assassinat, et ceux qui allaient exécuter œuvre sale ça.
qui c'est assassinat Jovenel Moïse. Donc, c'est-à-dire, cible Badjoa, il pas aller sur le plan juridique, il aller sur le plan politique plutôt. Donc, Badjoa est considéré comme la personnalité centrale, criminant. Et c'est l'appel de Badjoa à Ariel qui a jeté la suspicion sur le même. C'est téléphone ça m'a encore joué qui mettait Ariel en difficulté, qui dit Ariel la donne. Sinon, pas de monde qui t'a parlé de Ariel du tout. C'est le numéro de téléphone ça. Kounia, nous pas regarder pour nous. Acte Badjoa. C'est une attaque contre la liberté de la presse. Son attaque en règle contre nous-mêmes, parce que Pierre a parlé tout, Pierre a agi, Esaü a cloué à agi, Emmanuel a agi, n'a pas parlé. Il tentait pour le fermer bouche nous. Badjoa peine perdue. Seul la mort, comme disait le consoir, seul la mort. Ou pas qu'à fermer bouche nous. L'un mourit, l'autre n'a pas parlé, Valakar n'a pas parlé, Marco a parlé, etc. Moi n'a pas parlé. Donc, nous déduit. Action Badjoa lui visait directement Ariel. Parce que qui ça, monsieur, voulait faire? Monsieur voulait attaquer nous pour diffamation. Et puis, comme nous tous connaissons que lié avec Ariel n'était pas la belle, il faut attaquer le pouvoir. C'est attaquer pour attaquer Ariel. Donc, attaque, ça, monsieur, fait. Son action pour affaiblir Ariel dans l'opinion. S'il fait pour affaiblir Ariel dans l'opinion, donc, Badjoa a un problème avec Ariel. Que la prison. Parce que, comme si tout le monde sait que Louko Désir, c'est quelqu'un qui a lancé la mobilisation anti-Ariel à la radio. Louko dit des bagailles comme leader politique, comme candidat à la présidence. Le débat avec lui dit, bon, le copain est responsable. Mais je dis, il faut qu'Ariel aille. Où est-ce qui dit, il faut qu'Ariel aille? Qui dit, tout écoute ça, comme on attendait, etc. Et puis, qu'on y a, où attaquer? C'est Joudil. Continuez, mandez des débats à Ariel. Eh bien, Dieu, il faut passer, moi. Attention. On gagne plus tactique, politicienne, passer. Non, là, il fait montage. Mais on ne peut pas lire dans l'être fin basse. Vous voyez me craser Ariel. Ou m'a dit Esaü César, craser. Parce que Louko, Esaü, Pierre Espérance, GPPC, nous pas dans logique assassinat de la même, nous-mêmes. Même si Pierre était contre Jovenel, mais Pierre m'a dit un série de bagages pour Jovenel. Donc, monsieur choisit les personnalités clés pour faire question sommation, pour porter nous à craser Ariel. Donc, nous comprenons ça. Mais nous continuons à parler, vous me dites. Ariel et Badjoa, pas le tableau politique la même. Parce qu'il y a un cap dit dans le pays qui parle de Badjoa. Même le juge d'instruction, comme si le dossier a mouru. Si le dossier a mouru, et que Badjoa en accord de sainteté avec Ariel, il n'y a pas venu à ça à Kounia. Il y a une logique. Il n'y a pas évoqué le Kounia. L'abtenu l'autre moment peut-être. Mais ce qu'il fallait évoquer, ça veut dire il y a un point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Il y a un problème entre Ariel, Badjoa, ou bien un gouvernement avec Badjoa. En plus, là, il va aller. Par cette action, Badjoa m'a dit, il faut que l'on glisse le dossier de l'assassinat du président sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque la Chine l'avait évoqué,
machine te dit clairement son gouvernement illégitime, donc il participe dans paquet de bagarre. Là on fait ça, monsieur tout mandé vina ça sous table à tout. Il m'a déglissé document ça sous table à tout. Donc tout l'escroc, tout bail montre clairement que gros problème entre Badio avec Ariel. La sommation est un prétexte. Depuis ce Badio qui fait le vrai, c'est que gros problème. Bon. C'est pas Badio en personne qui met le dossier à dehors. Et pas Macron, non, qui vient dans le dossier. Et pas Val qui vient dans le dossier, non. Et pas Louko et Zahir César qui vient dans le dossier, non. C'est pas Badio même qui vient avec lui. Donc, le gouvernement, les membres de l'opposition qui sont actuellement au pouvoir, le PM Ariel Henry, est-ce que vous trahissez Badio? Est-ce que vous trahissez Badio? Qui fait Badio à mettre bâton dans le rouge aujourd'hui? Il y a un problème que vous avez résolu toi-même. C'est pour nous comprendre ça. Donc, il faut comprendre que Badio serait a priori trahi par ses partisans. Donc, la patate maillon fort de la presse. Mais nous-mêmes, n'a pas analysé, je ne dois analyser. Mais dossier a tous sont mis en garde à Ariel, dans un premier temps. Je dis attention, Ariel. Attention. M'la. Concernant le monde qui compte dit que Ariel qu'on rencontre Badio, la K, etc., 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 si Badio fait ça, donc, on peut couper. Parce que Badio peut mettre la difficulté, là, il fait ça. Donc, on peut couper. Tout le monde a montré que c'est un problème avec Badio. Deuxièmement, comme Badio somme GPPC, Zahir, Louko et Pierre Espérance, il vient dire tout le monde. Je viens dire, attendez-nous. L'autre aspect, question, hein? Attendez un petit monsieur. M'attaquez-nous parce que c'est menti d'appareil sous moi. L'autre angle de la question. Et menti d'appareil sous moi. Même si ça, monsieur, se dit, était évoqué dans le papier là, ça va gagner un boulot avec moi. Ouais. Mais un message en filigrane, monsieur, voulait faire passer. Sous moi, oui. Deuxième aspect, question. Hein? Monsieur, vous dit que pas gagner un boulot avec un assassinat. On se dit, menti. Par où cochon? L'État voulait dire tout. L'absence son gens pour blanchir. Pour qu'a dit Ariel Baladon. Cela pourrait être capable d'interpréter comme un complot entre Badio et Ariel. Ou par contre, qui instance judiciaire et qui structure mettait pour suite ça que parle Bassia. Donc, on est capable d'interpréter comme un coup politique. Mais on doit rester véatif parce que Jovenel pas mourir comme ça. Attention. Troisième aspect de la question, est-ce qu'on n'essaie pas de détourner l'attention du peuple haïtien sur l'arrivée des forces étrangères? C'est mon bail à Bangame. Dossier ça tue le dossier Mika, automatiquement. Mais tue le dossier gaz là, même là, automatiquement. Mais tue le dossier la vie chère, même si bah la rétine nous. A fait l'école là, et puis on va nous marrer Kembe. Et puis t'as l'autant de l'hélicoptère dans le tout bas. Donc, nous demandons des peuples là pour le vigilant. Sous acte de sommation ça, sous sommation ça fait là. Ce n'est pas objectif. Première. Qui s'est attaqué Pierre, Esaü, Louko Agaï, Gon bagay caché. Nous n'avons pas évoqué ça, et puis, Gon l'autre bagay qui peut arriver. Est-ce que, document ça, pas dit, à l'étranger, attention, hein, cet homme qui est au pouvoir est un assassin. Donc, le monsieur mandé pour l'étranger venir, pas occupé, monsieur pas venir. C'est le message. Parce qu'on connaît depuis nous qu'on parlait, depuis nous parler, depuis Pierre parler, qui gagne des pénétrations au niveau international. Eh bien, on a beaucoup de ça, depuis nous parler.
faut interroger tout bail net. En pile bail montré là à partir de ça que Ariel capable de difficulté. Tenez nous. Si pendant ça fait d'ailleurs attaquer physiquement. Bien. Si pendant ça fait attaquer physiquement Esaü. Si pendant ça fait ta, il attaque Louko ou bien attaque physiquement. Ou quoi qu'on dit que tu vas le passer? Est-ce que pas un assassinat spectaculaire qui va le faire dans le pays? Côté, qu'est-ce qu'on va sacrifier nous aujourd'hui là? Il y a dit à Dieu que fait. Par Ricochet, il y a dit c'est Ariel Henry. Donc, il y a une implication politique qui a mis nous dans une situation chaotique qui a fait blanc vin plus vite. Attention! Parce que on a toujours dit que Badiou a le bras long. Si monsieur a participé dans haut niveau ça, dans l'assassinat président, ce n'est pas moi même qui est au micro, qui a parlé après-midi pour ne pas prendre un coup poule. Donc, société a, si ça arrivait, a pris un réel responsable. Ça capable d'actionner la situation chaotique là. Et force sollicité a, il a vint plus vite. Donc, les politiques doivent être lucides. Et pour finir, ma baille louko désir à Esaü ou information. Que deux zélés en deux gouvernement. Qui mandait à l'autorité en place pour fermer Radio Téléclair et fermer Radio Zénith. Chalmas à la côté de cause, papa. Ou diable dit diffamation? Ou si on dit diffamation, ma petite qui est? Ou lâche ou pas dit. Et puis à la justice avec nous. Je suis fermé la zone de l'éclair. Parce que le coup a parlé trop. Et je me souris tristement. Les bonnes nouvelles là. Je dis, mais c'est une safran de famine. Et donne le carré, elle va au courant. Il a répondu, quelle est cette affaire? Vous n'avez pas protégé Ariel, il va de courant. Où est le chef cabinet qui fait? Zélé autour d'Ariel qui m'a dit ça. Fermez la zone de l'éclair, fermez la zone de Zénith. Nous m'avons fermé. Nous m'avons fermé. Et pour te dire fermé la zone de l'éclair, pour te dire ça qui t'a passé. Nous avons tout dit non, nous là. Nous avons tout dit non. Nous tous les deux. Nous sommes dans le gouvernement déjà, comme ministre. Pas comme levé. Ou quitte ta place sans que vous ne concluez pour dire vérité. Ou pas dire non. Yo. Parce que finalement, nous pas jamais, nous pas gain cœur, nous c'est des monde qui. Nous tellement mangé dans toute assiette. Nous n'avons pas le courage pour nous dire que exactement ce que lié. Mais évidemment, pour nous conclure la dernière partie, nous pouvons faire nous connaître que Foucault Taxi 9 te font une intervention qui est extrêmement importante et que moi-même j'ai décidé pour que je partage l'ensemble avec nous. Mais avant que nous conclure avec Foucault Taxi 9, mais entre-temps, il faut que nous tout profiter, toujours continuer et présenter au Moringa Haïti qui bat nous, des outils et des bannes ultra. OK? Des outils et des bannes ultra, c'est tout. On avance. Voilà, gain outil et gain ban ultra. Intéressant. Pour dire ça, faut que nous commandons. Gain ban ultra. Gain ban ultra, c'est un tout nouveau produit qui sorti dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas qu'on peut dire tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagarre. Il est ça, il y a un dynamogène action rapide. Pas oublier. Qu'il y a remplacé trois produits Gebon parce qu'il est plus puissant.
Voilà, Geban Ultra. Et vous êtes capable de commander pour ça, vous appelez dans le numéro de téléphone ça, pour gagner accès à produit ça. Je ne vais pas mentir, parce que vous n'êtes pas un garçon, ou n'en cas là, madame nan a plein parce que ou pa ka bay solution avec problème kaban nan et puis ou rete tetret nan ou pa ka tetret madame nan tout pendant que ou madame Marie a pa ka bay résultat te kon bay mais prend responsabilité rele nan numéro téléphone ça m'a baoul plus 1 514 886 97 76 plus 1 514 886 97 76 très important. Intéressant. Voilà. On avance avec missile là qui c'est Foucault Tactique 9. Papa ici, Foucault Tactique 9. Kabanou, qui font intervention, nous trouvons qui est important, son bel travail, son travail qui mérite et en pile respect. Ok. Nous félicitons Foucault et nous voulons nation. Attendez ça. Si nous t'en départis ça, mettez bravo pour Foucault Tactique 9. Moi, n'espace commenter la tête. Oui, t'as pris s'il vous plaît. Et Foucault Tactique 9, bravo. Venez. Si ça va regarder là, lirez-le Jovenel Moïse. Ou capable remarquer c'est pas un nèg qui gè gros physique. Yon sinon bien sexy. Mais côté ou ap gade la la, ay, c'est garçon ou tenol. Monsieur pou compte parle. Li fait 7 sénateurs de la République transformé en militant politique. Mm-hmm. Li fait yon fou. Fait yon quitte parlement, al nan fait manifestation pou le caoutchouc. M'pa besoin di ou. Pour gros homme d'affaires. Nèg kap pillé, kap déstabilisé depuis 50 ans. Misè yo passé en bas même ici. Jovenel tellement bouleversé sénateur. Gomon m'en crivé, monsieur yo, al chercher matière fécale, yo vide dans parlement. Gentil proverbe créole la dit. Moi bien selé m'pap foulé. Si moun pa entre nan gendarme, monsieur utilise tout stratégie pour me pou jeter monsieur li pa breding. À la fin, nèg yo fait lâche papa. Yo pa gen argument encore pour yo frapper contre Jovenel Moïse, yo même ensemble avec oligarque corrompu yo mette ensemble. S'entendé a, yo al touye Jovenel Moïse en dedans chambre la kayli. Madame mademoiselle et messieurs dans vidéo ça, ou pral ge chance jwenn déclaration sénateur sa yo. Sa yo te konzi le Jovenel Moïse te la. Jovenel Moïse assassiné, jusqu'à présent, yo vivant dans pays d'Haïti, rien pas réalisé. Même moun fou sezi, Badio, oui, Joseph Félix Badio. Bon, m'pa konn kote not sa soti. M'pa konn kote le soti. Joseph Félix Badio ap cherché. Pour implication dans touye président, li voye papier timbre bay Louko, bay Gary Paul Charles, Pierre Espérance pour citer ça seulement. Mais qui moun ki te publié papier ça? C'est question qu'a posé. Kote Badio. Si c'est livré, qui ça fait jusqu'à présent pour qu'on rive devant la justice et puis qu'on y a là la voye papier timbre bay une série de moun soi-disant qu'a fait mentir sous li dans dossier assassinat Jovenel. C'est ce bien-aimé, l'emzou Haïti, c'est la République des audacieux. Oui, j'en kem te annonce ou, 7 sénateurs, Jovenel Moïse, pour qu'on te parle, fait monsieur sa yo transformé en militant politique. Yo al boule kaoutchou, krasé, impliqué dans kidnapping, font paquet de vieux actes malhonnêtes. Malgré toute vie action pour déstabiliser Jovenel. Yo pa ka arrive déstabiliser, à la fin yo fait complot, yo touye président en dedans chambre la kaeli. Mais avant tout, li important pour qu'on ait rôle yon sénateur. Si qu'on y a ou rale téléphone ou tape sou Google, ou mandel rôle yon sénateur. La di ou, sénateur yo la pou yo participer dans exercice souveraineté nationale la. Il a voté loi et puis il a contrôlé action gouvernement et puis évalué politique publique là. Bon, qui différent par rapport ensemble avec Jean nous défini rôle sénateur dans le pays d'Haïti. Sénateur dans le pays d'Haïti, yo même yo là pour yo lever ti droite yo pour yo voter et puis ti jacout comme là étant rentré la caille. Sénateur dans le pays nous sous lance 5 gouttes dans parlement, il va privater tellement gen vont les chat mimi miaou. Sénateur dans le pays, nous, les gens qui ont budget qui votent, ils passent sous côté, ils ont le caïpatron, ils ont dit corriger pour te tourner.
C'est sénateur nous yo Francis. Sénateur nan pays nous yo. Yo pas même fait proposition. Allez voir pour yo ta voté, yo pas gagne temps pour bagaille comme ça, mais yo là pour yo faire manifestation contre président. Donc, ou capable ouais, définition sénateur gagné, rôle sénateur, ça vraiment différent par rapport à ça qui a passé dans pays d'Haïti pendant dernier moment yo là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pendant 30 dernières années yo là, Jovenel Moïse, c'est nèg qui fait un pile sénateur fou. En pile sénateur fou. Messieurs, vous quittez Parlement. Après, vous faites compte. Après, vous finissez compte scandale dans Parlement. Bataille pété. Jouré. Vous n'avez pas entré dans maman l'autre. Dis bêtises. J'étais poupou. À la fin, vous avez ça pas assez. Vous prenez la ricounia. Vous allez dans manifestation. Oui. Premier sénateur, Jovenel Moïse Campbell transformé en militant politique. Elle fait le fou. Lire les Don Kato. Sénateur Louis, Antonio Cherami. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nom sa fin gaye dans la ria. Li même te manque mette men en corsay un policier. Ou rappelo? Voilà, c'est exactement Foucault 69 qui t'a fait aller ça pour nous, qui t'a profité pour nous saluer et nous féliciter pour le bel travail que l'a continué à faire sous plateforme ça, en gros plateforme qui c'est TAC 509. Justement, ou abjoune Foucault tout côté sous tout réseau social parce que Foucault c'est missile là, c'est number one. Justement, je salue toute femme avec ce homme qui était présent ensemble avec nous dans cette émission ça, et spécial ça dans le jour ça là, qui c'est 21 octobre 2022. Pas oublier nous c'est bientôt, plateforme à de nous là, c'est Info Berto. Kembela, rendez-vous cassé à 6 h.m. pour dans le pays d'Haïti. Kembela, rendez-vous cassé après-midi. Moi, maintenant, pile, Info Berto, à l'appareil.